La Corse peut-elle sortir de la crise en 6 mois? Si, parce qu'un accord. Oui. On peut sortir de la crise en moins de 6 mois. Il faut d'abord un accord politique entre la collectivité de Corse, Bastia et Ajaccio, les deux principales villes productrices. Mais après, je parle d'une généralisation de collecte au porte-à-porte. Et ça va vite pour réduire les déchets des ménages de façon drastique. Les problèmes récurrents d'enfouissement des ordures se voient-ils ailleurs qu'en Corse ? Il y a une phase de transition au cours de laquelle on arrivera à zéro déchet. La priorité, c'est de trier les biodéchets. Pendant ce temps, on a besoin de décharges, de centres d'enfouissement. Ce sont comme des mines de matériaux à valoriser. Mais attention, on doit y contrôler dans ces décharges tout ce qui rentre, en exclure tout ce qui peut être recyclé, revalorisable. Aujourd'hui, certaines choses ne sont pas encore valorisables, mais avec la technologie, pourront le devenir. Bannir le plastique, n'est-ce pas juste une utopie ? Personnellement, je ne suis pas contre tous les plastiques. Certains produits ont une longue durée de vie, par exemple, dans les jouets des enfants, qui sont plus sûrs quand ils sont en plastique recyclé que ceux en bois, qui peuvent être dangereux. Avant tout, soyons plus raisonnables. Nous avons déjà trop prélevé dans la nature. Il est l'heure de renaturaliser notre façon de vivre. Il nostro modo di vivere.